So let me open the floor. I see three hands here on the first row. Can you have a mic? Est-ce qu'on peut apporter un micro là, la première rang? Thanks very much. I have a rather simple question. As a Canadian living in a federation with probably as much decentralization amongst the provinces, who can run their own deficits without control from the federal government. Sorry, we don't hear you very well. Is it on? Is it on? Yeah, better. No, I'm saying I'm from Canada. We have a federal government, of which I was a member and a minister for some years. The provinces have enormous independence, fiscal, they have independence. They basically have huge disparities. Newfoundland, for example, would suffer enormously when Ontario was doing well, because basically they had to sell at an elevated dollar, which has fluctuated from above the American to below the American and so on, fluctuates all the time. Now my question is why is that working so well in Canada? What are we doing? Is it transfer payments? Is it equalization payments? What's the difference? We got it. Thank you. We will answer this question. A simple comparison question. With Canada. Yes, and I'll take then one question here and then the lady over there. Yeah, Uwe Dadush with OCP Policy Center and Google. Can you hear me? Yeah. I must say that I sympathize a lot with Ashoka's point of view. The idea that, you know, because people don't want to leave, that's a kind of justification. It's like saying, well, you're in the top floor of a building and the house is on fire, you don't want to jump out. So that's the analogy that I would use. And the question? Because, yeah, the question I have is, and it's in the other direction, is it possible that it's going to get easier now with the euro? Because the creation of the euro created a lot of imbalances because of the convergence of interest rates, which turned out to be a mistake on the part of the financial markets. Thank you. Madame? Yes, I have a direct question. If Italy goes through a financial crisis, will the answer of the European Union be a bailout? Thank you. Will it be a bailout? Will the EU bail out Italy? Yeah. Will the European Union bail Italy out? Yeah. Okay. Monsieur, et ensuite on revient aux panélistes. Oui, merci beaucoup. Nous avons vu que l'unilatéralisme, les sanctions américaines et des problèmes de guerre commerciale sont en train de faire pression sur les banques, et notamment en ce qui concerne l'usage du dollar dans le commerce international. Il y a actuellement donc une réflexion pour voir comment peut-on résoudre ce problème et le contourner. Est-ce que l'euro en tant que monnaie peut répondre à la question et dans quelle mesure? Merci d'ajouter cette dimension. Perhaps in reverse order, Olivier? No, stop with that. You start with Jean-Claude, okay. I missed the last question, I'm sorry. The last question was, est-ce que nous pouvons utiliser, est-ce que l'euro a un potentiel pour être une monnaie internationale et pour répondre aux pressions américaines sur l'utilisation du dollar dans le cadre des sanctions contre l'Iran? Clear enough. Je peux peut-être répondre alors à la dernière question d'abord et puis ensuite aux autres. Monnaie qui a démontré sa crédibilité, représente au moment où je parle 22% de l'international debt outstanding, de la totalité de la dette mondiale, trois fois moins que le dollar approximativement, huit fois plus que le yen, donc c'est la seconde monnaie entre les deux autres, mais plus proche du dollar que du yen. En ce qui concerne les réserves de change, c'est à peu près la même proportion. En ce qui concerne les monnaies de paiement, à ma surprise d'ailleurs, l'euro représente 31% mondialement et le dollar 42%. Donc on a une vraie existence de l'euro, mais je ne crois pas qu'il faille l'interpréter comme permettant de bypasser le dollar des États-Unis personnellement, parce que
toutes les entités internationales ont besoin d'avoir une activité aussi libre que possible aux États-Unis. Ce n'est pas simplement la question du règlement en dollars sur New York, c'est aussi la question de l'ensemble des intérêts que les uns et les autres ont aux États-Unis. Et donc, je ne crois pas que nous soyons dans une situation, malheureusement à certains égards, nous permettant réellement de nous libérer du dollar des États-Unis à partir du moment où le Congrès américain, l'exécutif américain et l'opinion publique américaine considèrent que c'est absolument normal d'utiliser tous les moyens de pression qu'ils peuvent avoir. Jean-Claude, sur ce point, oui. je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai quand même une question précise. Une grande différence, c'est que l'utilisation du dollar comme monnaie internationale est favorisée par le fait qu'en situation de stress, il y a la possibilité d'avoir l'accès à la liquidité en dollars via les lignes de swap de la Fed. Les lignes de swap de la Fed sont un instrument de diplomatie internationale et il y a un soutien du Trésor. Ce n'est pas une politique autonome de la Fed, c'est un élément de la politique extérieure des États-Unis. L'Europe n'a pas fait ça. Est-ce qu'il est concevable que demain, on puisse avoir une ligne de swap en euros avec, évidemment, l'assurance pour la BCE qu'en cas de perte, ce serait compensé par les autorités budgétaires européennes? Le réseau mondial de swap que nous avons est parfaitement symétrique. Si il y avait un manque de liquidité euro, on pourrait obtenir de l'euro en allant aux États-Unis. Personne ne pense que ça servira dans ce sens-là. La question, c'est est-ce qu'un pays tiers, le Maroc demain, ou un autre qui demanderait d'avoir une ligne de swap en euros, est-ce qu'il pourrait l'obtenir avec le risque que ça représente pour la zone euro? Les banques centrales qui sont dans le réseau de swap, qui devra d'ailleurs être réactivé le cas échéant, et étendu évidemment. Normalement, par ce réseau, on a accès à toutes les grandes monnaies convertibles mondiales en présentant du collatéral dans sa propre monnaie. C'est ça l'avantage de ce réseau. Pour le moment, il est symétrique, légalement. Bien entendu, de facto, le dollar est beaucoup plus utilisé que les autres monnaies. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement un problème de monnaie. C'est aussi un problème de mesures de rétorsion prises aux États-Unis contre les intérêts étrangers aux États-Unis. Quand je discute avec des banques européennes, elles me disent on ne veut pas prendre le risque d'avoir un règlement qui serait en euros et totalement indépendant du dollar, parce que de toute manière, nos intérêts aux États-Unis même seront mis en cause. Donc il faut voir l'étendue du problème. Bien entendu, au fur et à mesure, nous prendrons une dimension supérieure. Il faut aussi noter que nous n'avons pas intérêt, nous, Européens, pour le moment, à avoir un euro beaucoup plus utilisé qu'il ne l'est actuellement, parce que ça se retrouvera sur le marché d'échange et on aurait un picking up of the euro qui serait peut-être très, très dangereux pour nous à terme. Donc, je crois que nous sommes dans une période de transition qui est nécessairement ordonnée. Elle est rendue plus difficile par un certain inward looking des États-Unis eux-mêmes, dont ils ne se rendent pas compte d'ailleurs. Ils sont dans leur propre système, ils ne se rendent pas trop compte. Si je peux très très rapidement aller aux autres pays, même au Canada, il me semble, les différents États sont récompensés plus ou moins par l'image qu'ils donnent, par les mesures qu'ils peuvent prendre. Et j'ai vu moi-même, de mes propres yeux, la montée en puissance de certaines villes, et la dégradation, Toronto par exemple versus Montréal. J'ai vu à quoi ressemblait, si vous voulez, une image plutôt plus négative donnée d'un État particulier, d'une province particulière par rapport aux autres. Donc je crois que même dans une fédération aussi perfectionnée que la fédération canadienne, on a encore des phénomènes de ce genre. Et bon, qu'il y ait une certaine punition pour des mesures qui ne sont pas optimales, en tout cas vu du point de vue des opérateurs de marché, des investisseurs et des épargnants, c'est compréhensible. Je le déplore, mais c'est compréhensible. Peut-être qu'il vaut mieux laisser les autres questions aux autres intervenants de manière à terminer à peu près dans les temps. Très, très volontiers. You want me to go? Yeah. Okay. So, in response to the questions, I'll make three very quick points. Number one, the fundamental sin of the euro continues to be a monetary union that is not backed by a political contract that has a political union. That was Calder's point, that was Marjolaine's point, and both of them said that there never will be. Therefore, Canada has a political contract, the European Union will never have one.
as a consequence, rules will never work. Rules will not work because the national interests will always, at critical moments, override the rules. Therefore, the idea that we will construct something that has the look and feel of a political union without actually creating a political union, for example, reference has been made a number of times to something called the banking union, completion of the banking union. Ultimately, a banking union is a fiscal union. In the United States, there is a banking union because there's an entity called the Federal Deposit and Insurance Corporation that is backed by the full faith and credit of the US sovereign. There will never be in Europe anything that has anything remotely like the FDIC. And as long as there's no FDIC, calling it a banking union is always going to be a misnomer. And so if there is a crisis, the ability to bail out may be quite along the lines that Olivia is saying. But remember, and the in the book called Collapse by Jared Diamond, I'm going to end with this. He uses the analogy of how societies collapse. They don't collapse in a day. They collapse, he gives the analogy of deforestation. The forest declines over time, but saplings grow back, and you look at the saplings and say, well, things are improving. But over time, the saplings cannot recover the deforestation process. The Greek story is not a good story to tell. The fact that Tsipras agreed to the terms that were dictated by the Brussels and Berlin has created, in the end, a deep animosity within Greece. It may, for the next two generations, the Greek parliament will not be able to take any fiscal decision that is not authorized by Brussels and or Berlin and Frankfurt. And the IMF. The IMF is out of the picture. IMF. So while it may appear as though the Greek problem is solved, but it remains festering at a deeper level, which at some point will reveal itself. Thank you. Olivier, it's been flashing red for some time, but nevertheless, we've got to answer the question by the lady over there. So, I should take one. First, the answer on why is it that it's working in Canada or the US? Is what Jean-Claude said. I think there are other reasons. Labor mobility across states or across provinces in Canada. Federal transfers, which are much larger there. And the absence of banking fiscal loops, which is a big issue in Europe, is not in those countries. On the bailout, I'm quite sure that the euro would try very hard not to bail out Italy, unless they did penance and were willing to do something in exchange. But it would be a terrible legal mess, as we well know, because there would be redenomination of many liabilities in liras, and lawyers would have a field day, and God knows how it ends, is basically the way to say it. Okay, thank you very much. The difference between Salvini and me, that has been flashing red for a while, I do apologize.